Au milieu de la mer, une salle au trésor, il faudra être le plus fort. Du haut de sa vigie, il y a le père Foura qui sourit. Cette fois-ci c'est parti, c'est plus moment de faire pipi. Je suis passe-partout du Fort Boyard, je guide les casse-coups dans les traquenards qui rêvent de sous et de boyard. Hey! Je suis passe-partout du Fort Boyard. Je sonne le gong du grand départ. L'esprit d'équipe est toujours là. Vous allez bien ce soir? Bonjour à tous et bienvenue au test de Fort Boyard, le jeu. Donc malheureusement, avec le PC, le jeu ne tournait pas sur mon PC, j'ai dû l'utiliser avec PlayClaw et le son ne s'est pas enregistré. Bienvenue dans Fort Boyard. Donc j'ai dû refaire toutes les voix moi-même et j'ai redit à peu près ce que les personnages disaient. Aussi débile que ça puisse paraître, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'était vraiment dans le jeu. Un petit peu. Pour la première épreuve, récupère la clé à l'aide du bateau qui se trouve dans le bassin. Dirige le bateau avec les flèches. Donc voilà, là on commence avec une épreuve buggée, donc ça commence vraiment très très bien. Car on est censé devoir bouger le bateau avec les flèches directionnelles, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on a perdu et on continue. Cette fois avec l'épreuve du père Foura. Bonjour mon cher ami. Alors, pas trop dur ces marches. Remarquez comme j'imite bien le père Foura. Ah si, hein, c'était dur hein, de monter tous ces escaliers. Oh là là, mon Dieu. Donc ça c'est David, le personnage qui est censé être le cerveau et qui dit des débilités durant tout le jeu. Ça vient avec le temps, c'est pour ça que je ne bouge pas souvent de ma vigie. Ah oui, hein, je comprends. Alors, l'énigme sera... Les enfants y passent leur récréation. Il est composé de nobles. Et on peut y jouer au tennis. Voilà, les énigmes sont très simples. Cette hallucinante oui, bêtise. Tu as trouvé. C'était bien la cour. Car on commence c'est une partie. Ah, j'espère j'ai que je l'autre pas énigme était grande tisseuse et encore autre chose. Et c'était simplement l'araignée. Donc voilà, le jeu ne nous propose pas de voir le nain qui monte les clés, qui est quand même dans le truc le plus amusant dans Fort Boyard. Donc je les ai rajoutés moi-même. Pour remonter le filet rempli de pierres. Voilà, on enchaîne avec une autre épreuve totalement buggée, donc c'est vraiment c'est génial, parce qu'à partir du moment où on perd trop d'épreuves, et bien la partie est perdue. Allez, donc vas-y, là c'est de Karine, nouveau une épreuve difficile, vas-y. Car on a une jauge d'endurance qui se vide tout de suite, attention. Après avoir Allez, remonté la pierre de 50 cm alors qu'il faut la remonter de 5 temps. Mètres. Donc j'ai pas vraiment compris qu'est-ce qu'il fallait faire, mais une fois la jauge vide, elle ne remonte jamais. Donc, Allez, en Karine, plus, qu'on appuie faire. Parfois sur les touches, ça ne Karine, fonctionne pas. On est avec toi. Donc, c'est vraiment très mal fini. L'épreuve ici est beaucoup plus facile car elle n'est pas buggée. Donc, à partir du moment où une épreuve n'est pas buggée, ça reste assez facile de la gagner. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a une jauge d'endurance à droite qui nous se vide un peu. Et l'ennemi, par contre, a une jauge d'endurance qui ne se vide jamais. Donc, on ne sait pas vraiment à quoi elle sert. Mais voilà. Elle a le mérite d'être oui, David. Là. Bien joué, tu Donc l'as. Voilà, cette fois youpi. On a une clé, youpi. Et le nain nous montre encore qu'on a une clé. Enfin, qu'on en a trois, mais vu que c'est une image, soit, c'est comme ça. Donc, on enchaîne avec une autre épreuve d'une difficulté allez, assez moyenne. Oui, le seul allez, problème, Alfred. C'est que abaisse les touches abaisse réagissent très mal, il y a parfois une en certaine bas, latence. Donc, il faut savoir estimer la latence pour réussir l'épreuve. Donc David, on peut oui. voir que le jeu il est quand même fidèle clé, David, au jeu télévisé car besoin. Ce sont les mêmes épreuves, sauf qu'ici nos personnages sont complètement débiles et n'ont aucune marge de manœuvre. Donc ici par exemple c'est de nouveau buggé, on a beau appuyer sur David, la combinaison de touches, ça ne fonctionne vite, pas. Sors, tu vas te faire et la plupart la du boule, temps, lorsqu'on vite, essaye David. De sortir en cliquant sur la porte pour ne pas se faire enfermer par la boule, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc on est obligé de se faire enfermer.
et de perdre. Donc une autre épreuve assez difficile car on a une vue de côté pour arriver à faire passer l'anneau. Donc c'est vraiment très difficile, surtout que la souris réagit de manière assez bizarre. Et une fois qu'on a perdu 3 épreuves, donc vu que la moitié des épreuves sont buggées, on y est assez vite, on ne peut plus recharger sa partie car on nous dit que c'est échoué. Mais voilà, j'ai quand même réussi. Ensuite on se retrouve face aux maîtres des ténèbres qui sont évidemment très faciles à battre. Pour une fois les épreuves ne sont pas buggées. Les développeurs ont quand même réussi à coder le fait de cliquer sur des bâtonnets, c'est franchement sympa. Ici un petit peu plus dur, l'épreuve du marteau, car l'autre tape tout le temps à des vitesses différentes. Et voilà l'épreuve la plus drôle du jeu, accrochez-vous bien, regardez où est passée la pièce. Là, elle est bien à droite, donc ok, tout va bien, sauf que là, la pièce est devenue un anneau. D'accord. Alors ensuite, il ne se passe rien, et voilà, la pièce va en dessous. Et là, il ne se passe rien du tout. Donc je me disais, tiens, il faut peut-être cliquer quelque part pour activer que les gobelets tournent, mais non, je clique dessus, et voilà, j'ai trouvé la pièce. Sans que ça ait tourné. Donc, d'accord. Bah, c'est facile, c'est bien. Alors voilà, là, il ne se passe de nouveau rien. Ça semble bugger de nouveau. Voilà, le gobelet se lève. Et là, je me dis, bah, de nouveau, je vais cliquer et j'aurai la pièce. Mais non, là, je clique, le gobelet se soulève, j'ai gagné, mais la pièce n'était même pas là. Alors que je l'ai vu aller en dessous. Et voilà, maître des ténèbres vaincu. Une autre épreuve très rigolote qui est aussi complètement buggée. C'est l'épreuve des élastiques, où là il va falloir tirer avec une bonne femme accrochée à des élastiques. Il va falloir l'envoyer vers l'indice. Alors c'est tellement mal fichu qu'après une trentaine d'essais, je n'y suis pas arrivé. Comme on peut voir, c'est très mal animé et c'est quasiment impossible de récupérer l'indice. Donc je me suis dit à un moment, tiens, et si j'essayais ? Donc j'ai tiré la fille vers la droite, je l'ai fait rentrer dans les murs, passer sous l'eau, et puis hop, j'ai été l'amener dans le ciel. Et donc vous allez pouvoir voir, malgré, désolé, la version enregistrée de Playclue, on peut la voir, elle est là-bas tout en haut dans le ciel, à plus de 100 mètres de haut. Et donc en fait, on peut la diriger comme ça, sans l'éjecter avec les élastiques, on peut la faire voler dans le ciel. Et donc là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de l'amener très haut avec les élastiques pour qu'elle aille s'écraser la tête en bas. Et en repassant, je suis tombé sur l'indice, et donc voilà, j'ai réussi à gagner l'indice. C'est complètement débile. Donc il n'y a rien d'autre à montrer dans ce jeu de merde. Donc c'est là-dessus que va se terminer ce test sur une nouvelle chanson de Passepartout. Et à bientôt pour un nouveau test de jeu de merde. Contre vents et marées, il va falloir en baver. Des serpents, des migales, d'autres rencontres amicales. Il y a même la fontirale et le réal qui s'emballe. Une seule récréation, il y a du monde au balcon. Ariane et ses poumons, pas le temps d'une discussion. Les tigres en liberté et le temps qui s'écoule. Et perdu ou gagné, ce qui compte c'est que c'est cool. Je suis Passepartout du Fort Boyard, je guide les casques dans les traquenards. Tu rêves dessous et de Boyard.